Docteur Okudesi, bonjour. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Alors, au vu des chiffres du nombre de contaminations Covid-19, la tendance est à la baisse. Cette phase de descendante ou décrue de la contamination, est-ce qu'elle peut permettre d'aller vers un déconfinement dans les prochains jours, docteur Youssefi? Merci encore une fois pour l'invitation. Effectivement, donc, comme on l'avait prévu, tous les spécialistes, cette période de décrue donc, avait commencé donc, vers le début du calendrier. Difficilement dans certaines wilayas, effectivement, ce qu'on appelle une courbe en cloche, une décrue avec des courbes en cloche, où certaines wilayas, pour différentes raisons, donc de non-respect des mesures de distanciation sociale, dans certaines familles, dans certains quartiers, il y a eu des pics. Mais la tendance générale, à travers donc, les indicateurs, particulièrement donc, les malades en réanimation, à travers donc, le nombre de décès, le nombre total au niveau des différentes wilayas, donc est en baisse, mais encore une fois, cette vigilance à cause du respect de ces mesures qui nous permettent de sortir plus facilement et plus rapidement de cette phase. Donc, et c'est à nous, en tant que citoyens, d'arrêter la durée de cette phase de décrue en fonction du respect donc, de des recommandations que nos spécialistes ont abandonné. Et ça permettra aussi aux citoyens donc, d'avoir moins de pression lorsqu'on parle des mesures de confinement et aux professionnels de la santé aussi de souffler. N'oubliez pas que tout le monde est maintenant au quatrième mois, donc non-stop, avec tous les sacrifices qu'il y a eu de la part des citoyens, donc en termes de décès, en termes de nouvelles contaminations, et de la part du professionnel de la santé aussi, où beaucoup aussi ont payé leur vie, et où beaucoup aussi ont été contaminés. Mais faut-il quand même rester vigilant et s'assurer de l'application stricte des mesures sanitaires, comme par exemple l'obligation du port du masque ou de la bavette dans les lieux publics, et qui peut, dans le cas de non-respect de cette obligation, être assorti de sanctions allant jusqu'à 10 000 dinars de PV et poursuites judiciaires allant en cas de récidive à 3 jours d'emprisonnement? Oui, tout à fait ce qu'on vient de dire. Et ce qui de par le monde. Donc, le respect de ces obligations donc, va faire, donc, comme on dit, faire sortir le pays rapidement de cette décrue. Il est indispensable. Il faudrait que l'Algérien apprenne. Donc, il faudrait que cette nouvelle donc, étape de sa vie, avant le Covid et après le Covid, ce ne sera pas la même chose. En tout cas, pendant des semaines, peut-être pendant des mois, parce que ça, c'est le point d'interrogation, comment ça va évoluer du point de vue virus. Et tous les spécialistes donc, ne le savent pas. Mais en attendant ça, on a des moyens qui sont à notre portée. Il faut qu'on apprenne à donc mettre le masque avec cette obligation. Il faut qu'on apprenne à laisser l'espace entre nous et surtout d'éviter les endroits de rassemblement, à se laver les mains. C'est essentiellement ces mesures qui sont simples, mais qu'il faut qu'elles soient donc intégrées donc dans la mentalité de l'Algérien. C'est pas facile effectivement. On n'est pas les Asiatiques qui ont intégré ça depuis des générations, mais on doit le faire comme sont en train de le faire d'autres pays au niveau de l'Afrique, au niveau donc de l'Europe, des États-Unis. C'est le passage obligé pour donc passer vers le déconfinement sans trop de dégâts et pour revenir à une vie, on va dire, plus ou moins normale, mais en intégrant le virus. Mais justement, respecter les obligations sanitaires, il faut apprendre à vivre avec ce virus. Vous êtes infectiologue, vous êtes chef de service de l'hôpital de Boufarik, vous êtes au niveau de l'épicentre de l'épidémie. Est-ce qu'on peut considérer qu'on connaît un peu plus aujourd'hui ce virus ou on n'arrive pas encore à le maîtriser sur le plan sanitaire au niveau national et mondial? Non, écoutez, beaucoup de choses ont évolué depuis le mois de janvier en termes de connaissances donc, du virus, en termes donc, d'épidémiologie, en termes donc, de ce qu'on appelle de physiopathologie, c'est-à-dire la connaissance. Ça nous a permis donc, d'adapter le traitement au fur et à mesure. Il y a pas mal de choses qui n'étaient pas connues en janvier et février, qu'on a connues en mars, qu'on a connues en avril, et ça nous a permis donc, d'adapter les stratégies donc, de prévention, les stratégies de dépistage, les stratégies donc, de traitement au fur et à mesure. Il y a encore des zones d'ombre, par exemple comme l'immunité. Donc on ne sait pas encore si cette maladie donc, va donner, même s'il y a eu quelques études, dont une chinoise qui donc, disait donc, que les anticorps restaient donc, chez les gens qui ont été contaminés. Est-ce que cette immunité donc, va protéger? Combien de temps va protéger? En attendant bien sûr tous les essais sur les vaccins. Donc beaucoup de choses ont évolué. Beaucoup de choses ont évolué et c'est ça qui nous a permis, d'ailleurs les stratégies à travers le monde ou chez nous ont évolué aussi en fonction
donc de l'évolution donc scientifique des connaissances du virus, et c'est ce qui a été appliqué en Algérie à travers les différentes instructions et directives nationales du ministère de la Santé. Mais comment peut-on aujourd'hui évaluer la situation? Est-ce qu'on peut considérer que la situation est relativement maîtrisée au niveau de l'Algérie, puisque vous venez de Blida, c'est l'épicentre un peu de l'épidémie, et Blida qui est passé d'un confinement total et général à un confinement partiel? Oui, effectivement, donc je peux dire que la situation est maîtrisée globalement au niveau donc de tout le pays. On a été donc jusqu'à présent le centre de cette épidémie. On a connu le confinement total, puis le confinement partiel à partir de 14h. Maintenant le confinement à partir de 17h, donc il y a une évolution. Et comme je vous ai dit, au niveau de la wilaya de Blida et particulièrement au niveau de Boufarik, c'est la même chose. Donc dans la wilaya, on a vu depuis plus d'un mois une nette donc on va dire amélioration, surtout en termes d'afflux des citoyens par rapport aux urgences. On était donc il y avait une grosse pression en termes aussi d'occupation des lits, même que si je vous ai, comme je vous ai dit, il y a avec des petites cloches où il y a des jours où les services sont moins occupés et le lendemain ils sont presque occupés, mais il n'y a pas du tout cette pression. Et même le citoyen, cette panique qu'il y avait au début, donc qu'on avait avec la méconnaissance, donc c'est quelque chose de nouveau, et donc automatiquement là même le citoyen a commencé à intégrer cette donnée et a commencé à répondre positivement par rapport à ces mesures, et on l'encourage à continuer là. Et surtout la frange qui est encore, j'allais dire, rebelle donc à ces conseils, donc pour pouvoir donc intégrer ça et pouvoir aller avec la majorité de la population ou toute la population, parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas donc quelques personnes qui soient réfractaires à ces recommandations pour pouvoir avoir des résultats durables, des résultats, éviter les cloches dont je parlais tout à l'heure et avoir donc une courbe donc qui va descendre d'une manière harmonieuse. Mais cette décrue de la contamination, puisqu'on est passé pratiquement à un nombre de contaminations qui avoisinait à un moment donné les 190, 195, 198, même 199, sans atteindre les 200. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement aux alentours de 135, 125, 119, le bilan d'hier. Est-ce qu'il est dû à la prise de conscience de la population un peu de la situation sanitaire, ou c'est dû en partie au traitement à la chloroquine qui est administrée actuellement, qui semble donner de bons résultats malgré toutes les polémiques suscitées au niveau international? Alors là, je reviens juste lorsque vous dites le nombre qu'on a vu donc début d'année pendant un mois autour de 100. Il ne faut pas oublier qu'on a accès beaucoup plus maintenant au dépistage parce qu'il y a plus de kits. Ça, c'est une explication. Donc une partie de l'explication, maintenant le dépistage par PCR est donc généralisé à travers le pays, alors qu'au début c'était très difficile et on était, on va dire, un petit peu nous pratiquement les seuls avec Alger et Qatar à avoir ces PCR. Et après donc avec cette décrue, comme je vous disais, donc là le comportement de certains Algériens, je disais, s'explique, mais et bien sûr. Et elle a intervenu. On parlait tout à l'heure d'évolution de la stratégie. On est passé par la première phase entre le 1er mars, premier cas chez nous, et le 23 mars, c'était la phase où on ne traitait pas. C'était la phase où on dépistait tout ce qui est asymptomatique, sans symptômes, et non, on les hospitalisait sans les traiter. Et donc, on les surveillait et ils sortaient avec deux PCR négatifs 24 heures d'intervalle. Puis est arrivé avec l'évolution, et donc en tant que comité d'experts, on a donc instauré le traitement à partir du 23 mars. Et à partir du 23 mars, au moment où commençaient à apparaître de plus en plus de formes sévères, de formes graves, et donc qui nécessitaient le traitement, on a instauré ce traitement avec la base de chloroquine, et dans le service où on a, j'allais dire, le maximum donc de deux cas pratiquement à travers le territoire national. Et ça marche, malgré les polémiques. Vous savez que lorsqu'on a instauré le traitement, il n'y avait pas de recommandation jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu de recommandation de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, concernant l'instauration de la chloroquine. Tous les pays étaient souverains en fonction des publications scientifiques. Et là, on s'était basé sur ce qui s'est passé en Chine, en France avec Raoul, aux États-Unis, le CDC, le Centre donc de contrôle des maladies, qui donc préconisait ce traitement. Et sur cette base, le comité d'experts dont on faisait partie, donc là, a instauré donc ce traitement, et on a vu les résultats. Après les polémiques franco-françaises et certaines polémiques, et même la dernière étude du Lancet, dont certains donc remettent en cause donc la méthodologie, donc là, les libres aux autres pays, même l'OMS, qu'on se mette d'accord, n'a pas interdit, d'abord elle n'a pas de recommandation, jamais de recommandation pour traiter.
Et elle n'a pas interdit dans son dernier avis l'utilisation de la chloroquine. Elle a demandé d'arrêter donc d'utiliser la chloroquine dans les essais cliniques qu'elle, elle pilotait. C'est tout. Donc là, on est quand même sur elle. Et on a vu sur le terrain, nous, on est sur le terrain. Et c'est ce traitement, nous, on est à plus de 600 malades qu'on a traités et ça ne pose pas de problème. Et la majorité de nos malades, donc en termes d'effets secondaires dont on a parlé, les problèmes cardiaques, etc., et ce n'est pas du tout le cas chez nous, une infime minorité d'effets secondaires qui sont très gérables et ça nous a permis de traiter ces malades et d'éviter aussi d'aller vers les formes sévères rapidement et vers la réanimation. C'est ça aussi l'intérêt de ce traitement qui est toujours donc... dans le cadre de cette polémique donc des pour et des contre. Mais qu'est-ce qui a suscité toute cette polémique? C'est le fait que ce traitement soit tombé dans le droit commun, que la boîte, par exemple, de chloroquine est accessible en Algérie à 100 dinars? Écoutez, c'est une question strictement commerciale et économique. Il y a beaucoup d'éléments, Il y a un côté commercial, il y a un côté de suprématie, un côté de souveraineté, il y a un côté donc d'ego de certains, il y a un côté de lobby pharmaceutique. Il n'y a qu'à voir la polémique en France avec Raoul qui est connu à l'échelle mondiale comme une sommité mondiale. Et il y a tout ça. Et bien sûr, il y a aussi ce côté des industries pharmaceutiques. Donc, sachant que la chloroquine est dans le domaine public, qu'on a tous utilisé pour le paludisme pendant des décennies et qui ne posait aucun problème. Et maintenant, subitement, elle commence à poser des problèmes pour certains. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres laboratoires qui ont mis en place d'autres médicaments très onéreux et qui n'ont pas prouvé jusqu'à présent donc leur efficacité. Mais est-ce qu'on peut considérer que le pari d'administrer le traitement à la chloroquine était un pari gagnant pour l'Algérie par rapport au nombre de résultats satisfaisants des malades qui ont été guéris? D'abord, c'était un pari à risque calculé, comme je vous ai dit. Donc, on a bien discuté entre notre expert et on a mis en application et on l'a assumé. Et c'est un pari, pour moi et pour beaucoup d'experts, pari gagnant. Alors, comme vous le dites à l'instant, Sarah et Tracy, ces trois casquettes. Alors, justement, docteur Mohamed Youssi, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce dont on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction, de l'avis des experts de la santé, où l'avis des experts de la santé sera déterminant pour envisager le déconfinement. Le porte-parole du gouvernement, Amal Behimel, l'a encore une fois réitéré. Comment peut-on aujourd'hui envisager le déconfinement, puisque déjà, au niveau du commerce, on annonce éventuellement une reprise à 50% des activités commerciales? Écoutez, autant comme le confinement, le déconfinement, ça se prépare, donc il y a un plan, donc il met sur la base donc des indicateurs et sur la base surtout des recommandations sanitaires, donc du conseil scientifique et des experts. Et ces recommandations, on a tenu compte donc pour faire le confinement, et bien sûr, ce plan de confinement, sur cette base, bien sûr, il comprend d'autres éléments, d'autres parties donc de la société et des pouvoirs publics. Et le déconfinement, c'est la même chose. Le déconfinement, donc, il faudrait là aussi le préparer, et c'est ça, c'est les décisions des autorités publiques. Ils ont donc des conseils, donc, sur le côté sanitaire, mais il faut aussi que lorsque on prépare ce plan, pour les autres départements tiennent compte de ces justement recommandations sanitaires dans l'application, que ce soit tourisme, que ce soit commerce, que ce soit donc industrie, qu'on applique, comme ça se fait dans tous les pays du monde, ces recommandations sur le lieu de travail, sur donc le comportement des commerçants, etc. Et donc tout revient à la base sur ces mesures de distance sociale, sur ces recommandations. Évitez ce qui s'est produit la première fois quand on a libéré certaines activités commerciales pendant le mois de Ramadan. Oui, effectivement, c'était malheureux. Donc là, il y a donc une non-préparation, je dirais, en termes donc de ce plan de déconfinement, une non-préparation pour certains donc commerçants. Donc il fallait qu'ils mettent, qu'ils respectent ces recommandations. Et le citoyen aussi, il fallait aussi qu'il respecte, qu'il soit assez sensibilisé pour respecter donc ces mesures. Et à ce moment-là, on peut aller faire ses courses en respectant ça, on peut aller travailler en respectant ces mesures, on peut se promener en respectant ces mesures et dans l'intérêt de tout le monde. Donc c'est pour ça que la préparation d'un plan de déconfinement est importante. Et il va varier aussi ce plan de déconfinement, comme ça se fait dans tous les pays du monde, d'une région à une autre et d'une ville à une autre. Donc un plan de déconfinement, il y a les règles générales, mais sa mise en application donc progressive et j'allais dire par étapes chronologiques en fonction bien sûr des wilayas, là aussi tient compte des indicateurs, comme je disais tout à l'heure, sanitaires.
puisqu'il y a 3 wilayas qui sont en situation de déconfinement total à travers le territoire national. Mais au niveau du conseil scientifique, vous l'avez déjà discuté, vous l'avez déjà abordé, comment vous l'envisagez aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller vers un déconfinement partiel ou général, c'est-à-dire par wilaya, ou un déconfinement national? Écoutez, dans aucun pays, donc pratiquement dans tous les pays, il y a eu un déconfinement progressif par donc wilaya, par région, en fonction, comme je vous ai dit, il y a maintenant 4 wilayas déjà qui sont en déconfinement total, d'autres où le déconfinement, donc les plages horaires ont été avancées, et donc là, en fonction de ces indications, au 13 juin, donc les pouvoirs publics, soit en fonction du rapport du conseil scientifique, décideront bien sûr, il y a des wilayas, donc si les indicateurs ne sont pas encore au vert, comme on dit, pourraient être à ce moment-là toujours confiné, ou bien le déconfinement sera levé progressivement dans ton wilaya, où il n'y a pas du tout de cas, où il n'y a pas eu de décès, etc. Donc pourrait être dans un déconfinement total. Donc tout ça, c'est les prochains jours qui vont nous montrer, donc en fonction de l'évolution de l'épidémie, d'une wilaya à une autre. Mais est-ce qu'on peut considérer, par exemple, au vu des statistiques qui sont communiquées aujourd'hui, c'est-à-dire par wilaya, par région, que certaines de celles qui ont connu quand même un accroissement de la contamination pourraient connaître un déconfinement partiel ou total? Par exemple, si on prend l'exemple de Blida, qui est l'épicentre de l'épidémie, si on prend Alger, si on prend Constantine, où il y a un plus fort taux de contamination, est-ce que ces wilayas, au 13 juin prochain, seront totalement déconfinées, ou ça sera quand même un déconfinement partiel avec une reprise graduelle de l'activité économique et commerciale? Question difficile à répondre, donc, parce qu'on a encore... Non, au niveau du comité, vous discutez de tous ces aspects, vous prenez en considération les chiffres. Je ne fais pas partie du comité, en tant qu'expert, mais du comité scientifique, donc il y a des... Mais on tient compte de votre avis. Oui, donc, mais je vous dis, on a 10 jours. 10 jours, donc, et voir l'évolution quotidienne dans ces wilayas. Donc, dans les wilayas où il y a une stabilité, donc, dans la décrue, donc, le problème ne se pose pas pour... Enfin, mettons ce plan de déconfinement pour le déconfiner totalement ou en grande partie. Et si dans les 10 jours, les wilayas, les cloches dont on parlait tout à l'heure et se maintiennent et le nombre se maintient à un niveau un peu élevé, donc là c'est clair du point de vue scientifique, il ne faudrait pas à ce moment-là aller au moins au déconfinement total. Donc là, peut-être à ce moment-là aller à un déconfinement un peu plus élargi, mais pas total. Et comme je vous ai dit, ça, c'est ce qui se fait partout. On donne beaucoup l'exemple des Français, mais c'est ce qui a été fait en zone verte et en zone rouge, et avec des étapes. Donc là, j'allais dire, il n'y a rien de nouveau qu'on va nous... donc c'est l'évolution de l'épidémiologie et les indicateurs qui nous imposent. Donc, et c'est pour ça qu'on rappelle aux citoyens de ces wilayas, justement, donc cette responsabilité qu'ils ont, pour la levée totale du confinement ou sa levée partielle, ça ne dépend que de nous en tant que citoyens, du respect de ces mesures. Et le plan qui doit être préparé du confinement avec les différents scénarios, différentes hypothèses, c'est-à-dire le déconfinement total dans la wilaya, le déconfinement partiel, etc. Et au dernier moment, en fonction des indications sanitaires, on sortira le plan A ou le plan B en fonction donc des chiffres qu'on aura. Mais vous avez cité un peu la France. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un exemple à suivre, puisqu'on a vu qu'en France, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises, de par aussi leurs experts qui l'ont dénoncé. On a déconfiné, on a repris l'école. 3 jours après, on ferme l'école parce qu'il y a eu de larges contaminations. Et il s'avère que les enfants aussi, ce sont des porteurs sains. Comme dans notre pays, comment on devrait faire pour les enfants, par exemple? Il n'y a pas eu de... Donc, vous savez, la France, que ce soit l'Allemagne, donc lorsqu'ils ont déconfiné, il y a eu très bons résultats. Bien sûr, il y a des foyers, ce qu'on appelle des clusters. Ça existe dans tous les pays du monde, mais la tendance générale n'a pas été remise en cause. Au contraire, ces jours-ci, pratiquement toutes les écoles chez eux donc ont repris, et l'expérience a été concluante. En Allemagne, la même chose, il y a un déconfinement, il y a eu certains villages où il y a... Donc ça, c'est le risque lorsqu'on a un déconfinement, automatiquement, lorsque dans certaines régions, on respecte pas les mesures, il peut y avoir donc des petits foyers, mais lorsqu'on est préparé avec un bon plan, on va les circonscrire rapidement. Mais est-ce qu'on peut considérer, si on envisage aujourd'hui, par exemple, le déconfinement total ou partiel au niveau de toutes les localités du pays, toutes les wilayas, est-ce qu'on pourrait augmenter le dépistage, le PCR? C'est important parallèlement, c'est-à-dire dépister graduellement la population, puisqu'on en a un peu plus les capacités actuellement. Là, il faut faire attention. Alors, lorsqu'on parle de dépistage avec PCR, il faudrait qu'on ait les moyens, donc, en termes de kits pour le dépistage généralisé et massif, parce que pour l'instant... Mais on peut aller vers le dépistage rapide. Oui.
encore une fois, le dépistage, les tests rapides ne sont pas des tests de diagnostic. Il faut que ça soit les PCR. Et ce problème a été posé dans tous les pays du monde. Donc, on manque, mais on parle des Français, ils n'ont pu faire, commencer à faire le dépistage un peu plus élargi que depuis une quinzaine de jours. Donc là, les moyens qu'on a en termes de kit, c'est actuellement, on couvre très largement, complètement le dépistage en termes de diagnostic, donc le diagnostic, les moyens diagnostiques, mais le dépistage, si on doit élargir, actuellement, on essaie surtout sur mettre les malades ou les patients en confinement, ceux qui sont en contact. Donc, si on a donc, beaucoup plus de kits, on pourrait envisager, mais ce n'est pas ce qui est envisagé actuellement dans les recommandations du ministère de la Santé. Mais est-ce qu'on pourrait l'envisager? Oui, bien sûr. Largement. On peut l'envisager. C'est un problème de moyens, madame Solège. Mais on a dit qu'on pouvait mettre tous les moyens sur la question de la sécurité sanitaire. Si on a des centaines de milliers de kits, on peut le faire. Alors, autre question, maintenant, on parle de la nécessité d'observer, par exemple, les mesures de distanciation, les mesures, c'est-à-dire préconisées par le comité scientifique de prévention contre le Covid, notamment ce qui concerne, bien sûr, le port du masque ou de la bavette. Mais il faut la rendre accessible et disponible. Bien sûr. C'est important. Ça, c'est la première condition, c'est clair. En tant que spécialiste, c'est clair. Si on met des mesures, on ne peut pas mettre des mesures, il faudrait que cette mesure puisse être applicable sur le terrain. Pour être applicable sur le terrain, il faut impérativement qu'elle soit donc disponible, comme vous avez dit, accessible économiquement. Et on peut le faire. Et on a dit qu'une grande partie, même beaucoup de pays le font, une grande partie des masques peuvent être fabriqués donc, au niveau donc, artisanal, au niveau des maisons, donc en tissu, et qui sont efficaces et qui ne posent aucun problème. Mais aujourd'hui, comment peut-on parler d'un déconfinement aussi rapidement de la population, alors qu'on a pris des décisions apocalyptiques à travers le monde, bien sûr, avec l'urgence ou l'alerte sanitaire qui a été lancée par l'OMS. On nous dit, cachez-vous dans vos maisons, ne sortez pas, barricadez-vous, parce que vous risquez de mourir, le Covid tue. Et aujourd'hui, on nous dit, vivez avec le Covid. Comment on pourrait aujourd'hui, c'est-à-dire, passer d'une étape à une autre, psychologiquement, par rapport à la population? Effectivement, ça c'est la difficulté. Ça laisse des traumatismes. Oui, c'est la difficulté, donc c'est nouveau. Le Covid, c'est nouveau. Toute l'humanité l'a découvert. Donc beaucoup de systèmes de santé ont été mis à plat, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de panique, et progressivement, comme vous avez dit tout à l'heure, avec la connaissance du virus, donc j'allais dire le langage rassurant donc a pris le dessus. Mais lorsqu'on parle de confinement, il ne faudrait pas aussi le prendre sous cet aspect dramatique, cet aspect, c'est essentiellement dans l'intérêt donc du citoyen. Et encore une fois, si on confine avec un plan et on confine donc en rassurant le citoyen, et lorsqu'on déconfine, on déconfine donc avec aussi des mesures responsables et en rassurant le citoyen. Comment rassurer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement penser à renforcer notre système de santé? Effectivement. Donc effectivement, une réflexion doit être lancée pour réformer. Effectivement, cette épidémie mondiale, cette crise sanitaire que l'humanité n'a pas connue donc depuis pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, a mis à plat tous les systèmes de santé, même les plus performants. Il faut tous les citoyens savent très bien que notre système de santé était malade avant le Covid, qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de repli du système de santé, et surtout en termes de politique nationale de santé très claire, parce que jusqu'à présent, excusez-moi, madame la Soulage, c'est jusqu'à présent, nous, en tant que professionnels et les acteurs, n'avaient pas vu cette politique. Il y a eu toujours du replâtrage, les différents ministres qui passaient. Il est temps, avec donc une responsabilité, avec les déclarations de M. le Président de la République, qu'il y ait une politique de santé très claire, assumée donc par le gouvernement. On n'a jamais vu jusqu'à présent, en dehors de l'année dernière, au mois d'août, un conseil des ministres consacré à la santé, donc où on va mettre à plat complètement les dysfonctionnements du système de santé, et là, mettre à ce moment-là une politique de santé avec la concertation avec tous les acteurs, qu'ils soient de la santé, parce que la santé, ce n'est pas le ministère de la Santé. La santé, c'est tous les intervenants, et à ce moment-là, avec cette concertation, on peut mettre une politique de santé claire, et donc les pouvoirs publics diront à l'Algérien, diront au professionnel de la santé, donc voici ce qu'on peut faire à l'horizon 30, 40, 50, voici ce qu'on ne peut pas faire, voici les moyens, voici, et ils vont rassurer non seulement le citoyen, la participation du citoyen, mais aussi ils vont prendre en charge les problèmes des professionnels de la santé.
valoriser essentiellement aussi les médecins qui étaient en premier rang, ouais. Puisqu'on les appelle aujourd'hui les militaires en blouse blanche, alors qu'il y a quelques années, pour certaines de leurs revendications, ils avaient été totalement marginalisés. On a connu ça, écoutez, en tant que syndicat, depuis 2002, beaucoup de mouvements de grève. On est sorti dans la rue en blouse blanche, on a été donc aussi tabassé, emprisonné, et donc c'est ça, c'est malheureux, parce que lorsque vous parlez de politique de santé, c'est ça, c'est de mettre tous les moyens donc à notre disposition, et si vous le permettez, en tant que représentant des patients spécialistes, qui est donc la cheville arrière de tout le système de santé à travers les différents wilayas, il y a beaucoup de choses à faire. Donc on a vu les déclarations de M. le Président de la République, on attend bien sûr leur concrétisation sur le terrain, parce qu'il faudrait encourager ces spécialistes de santé publique à rester sur le terrain, dans le secteur public, à ne pas partir sous d'autres cieux, alors qu'on a dépensé des milliards pour leur formation. Il faut les encourager, il faut leur rendre la confiance et régler leurs problèmes qui sont toujours en suspens actuellement. Je parle des spécialistes de santé publique au même titre que d'autres corps. Les questions en suspens qu'il faut impérativement régler. Écoutez, la question la plus importante pour le problème de statut particulier pour lequel plusieurs grèves ont été faites et qui est en suspens au niveau du ministère, du premier ministère, beaucoup d'éléments aussi concernant leur carrière, leur prime, et les mesures incitatives qu'on a, nous, donc proposé aux différents donc acteurs et au président de la République, aux différentes ministres de la Santé, des différentes appels et sénats depuis 2002, ça fait 18 ans, et on a commencé à être entendu au mois de juillet, donc l'année dernière, lorsqu'il y a eu un conseil du gouvernement, et j'espère avec M. le Président de la République, dernièrement avec ses déclarations, il faut impérativement aller au fond du problème, de ces problèmes de la santé, de ces spécialistes, comme l'abrogation du service civil et comme ces mesures incitatives, et encore une fois, revoir complètement ce statut. Je rappelle que ce statut des spécialistes, et tout le monde le connaît, est le statut le plus pénalisant dans toute la fonction publique. Je vous donne un exemple, un spécialiste qui a Bac plus 11 ou Bac plus 12 commence à moins de 8 millions de centimes. Et donc c'est tout à fait, et qui est le niveau le plus élevé au niveau de l'université. Comment voulez-vous qu'il reste au niveau du secteur public et avec toutes les problématiques donc en termes de conditions de travail? Il faut impérativement revoir ça, et avec une échelle des valeurs, tout simplement. Il faut garder nos médecins chez nous. Chez nous, bien sûr. Ne pas les laisser partir. Alors, question de l'auditeur. Dieu merci, et grâce aux différentes mesures entreprises par nos autorités, l'adhésion de toutes les structures, ANP, Santé, Presse, Sûreté Nationale, Protection Civile, Extranet aussi, dans le nettoiement, dans la lutte contre le Covid-19, on peut dire que l'Algérie s'en est sortie avec les moindres pertes. Ma question est la suivante. Comment capitaliser cette expérience dans la gestion des crises sanitaires afin de mieux faire face à ce type de crise, si on devait y faire face à l'avenir? Très bonne question. Donc là, l'auditeur, hein, c'est la question de l'auditeur. Oui, très bonne question. On disait tout à l'heure, c'est à tout le problème du système de santé. Effectivement, donc nous saluons tous les professionnels de la santé et tous les départements qui ont donc, et jusqu'à présent, qui sont debout pour lutter contre cette épidémie. Mais effectivement, on doit se remettre en cause et remettre ce système de santé en termes, bien sûr, de veille sanitaire. Et la création de l'Agence nationale de santé qui n'existe pas, il faudrait qu'on puisse avoir une projection, une planification en termes de questions. On n'attend pas au dernier moment pour réagir ou pour mettre en place. Et parfois, croyez-moi, beaucoup de dispositifs sont mis sur le papier, mais après sur le terrain, on trouve beaucoup de difficultés pour les mettre en application parce qu'il y a ce dysfonctionnement dont on parlait. Alors, l'Agence nationale de sécurité sanitaire devra-t-elle aussi s'occuper des risques alimentaires et des zoonoses, brucellose, botulisme et grippe aviaire, et la rage également, qu'on oublie certaines maladies qui sont transmissibles à l'homme par l'animal? Bien sûr, cette Agence nationale de santé, elle s'occupera de tous les problèmes liés à la santé sous toutes ses formes en termes de crise. Et vous avez parlé, bien sûr, c'est malheureux de le dire, la rage qui sévit encore chez nous, autour d'une vingtaine de décès par an, qui sont inacceptables. Et là, c'est l'intervention, donc cette agence, parce que là, c'est l'intervention, pas, je dis encore une fois, c'est pas uniquement le ministère de la Santé, c'est
l'intervention de l'intersectoralité, c'est-à-dire tous les départements, la santé, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement du ministère de la Santé. Alors, M. Youssefi, une question autre de l'auditeur. Pourquoi vous avez maintenu la méthode de diagnostic par l'imagerie médicale malgré la mise en œuvre des tests rapides produits localement par un opérateur algérien depuis quelques jours qui est entré en activité? Cette méthode a biaisé entièrement les statistiques de la situation de la pandémie dans notre pays. C'est le cas ou pas le cas? Non. Moi, je dis encore une fois à Boufarik, la méthode diagnostique qui est scientifique, c'est la PCR. Nous hospitalisons nos malades avec un prélèvement, ils sortent après traitement avec des prélèvements. Effectivement, dans beaucoup de wilayas, il y a un peu plus d'un mois, devant donc, le nombre insuffisant de kits, donc le comité scientifique avait donc, il y avait une circulaire qui autorisait, qui est un bon élément, le scanner, donc un bon élément, mais qui, bien sûr, le gold standard, c'est la PCR. Et normalement, avec la disponibilité des PCR partout, cet élément doit être un élément en plus diagnostique, mais ne doit pas être l'élément, le premier élément pour diagnostiquer et mettre les malades sous traitement. Aujourd'hui, docteur Mohamed Youssefi, je voudrais vous poser une question et celle de l'auditeur. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on est en train de relever, c'est qu'au niveau du comité scientifique, c'est-à-dire les statistiques sont diffusées, sont communiquées via, bien sûr, les médias traditionnels, radio et télévision. Vous avez le porte-parole qui énumère les chiffres et qui donne les statistiques à travers les wilayas, bien sûr, entre personnes malades, atteintes, rétablies et malheureusement les décès qui avoisinent parfois les 6, 7, 8 par jour. Mais on a cette tendance à indiquer que les personnes décédées ont plus de 60 ans. Est-ce que ce n'est pas quelque part traumatisant? C'est-à-dire dire maintenant, vous sortez dans la rue, on va déconfiner, vous avez plus de 60 ans, vous allez mourir. Non, écoutez, ce n'est pas traumatisant, mais c'est au contraire, c'est des conseils, donc des mesures. Donc on attire l'attention. Et c'est de par le monde, pas spécialement le Covid, que les personnes les plus fragiles, ça c'est une... Question biologique, les plus fragiles, c'est les gens qui sont âgés. Mais des quarantenaires sont décédés, même des enfants sont décédés. J'y arrive. Donc, lorsque vous parlez des sujets âgés, donc c'est les personnes de par le monde où la tranche d'âge, où il y a le plus de décès, c'est, ce qui est physiologique, biologique, c'est ces personnes âgées avec des maladies chroniques. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, on a eu dans le service, on a eu des décès de personnes jeunes. C'est exceptionnel lorsqu'il s'agit de personnes jeunes qui n'ont aucun... maladie chronique. Parfois, c'est des sujets jeunes, mais qui ont à côté un diabète, une cardiopathie. Chez les enfants, on n'a pas eu donc de décès chez nous. La maladie est très rare d'abord. Chez nous, on a une dizaine d'enfants sur pratiquement plus de 2000 malades qu'on a vus. Et elle ne tue pas et elle est très rare. Mais là, effectivement, elle peut toucher tout le monde, ça c'est clair. C'est pour ça que les mesures de distanciation, personne n'est à l'abri. Mais bien sûr, les décès, c'est beaucoup plus donc les sujets âgés. Et c'est pour cela que ces mesures de distanciation, lorsqu'on dit aux citoyens de les respecter, en les respectant, on va avoir moins de contamination, on va avoir moins de cas graves, moins de malades qui partent en réanimation et moins de décès. Parce que notre rôle, c'est de contenir l'épidémie, ne c'est pas de l'arrêter. Aucun pays ne peut l'arrêter, c'est de continuer avec moins de dégâts. Mais comment vous évaluez aujourd'hui de façon objective la situation? Vous êtes au niveau de l'épicentre de l'épidémie, vous l'avez vu accroître et on a tous et le monde entier a été surpris par cette large contamination. Aujourd'hui, on parle de décrue. Est-ce qu'on peut considérer que la tendance sera encore baissière pour les prochains jours? Oui, écoutez, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas donc baissière, encore une fois. Vous évaluez la situation? On l'a maîtrisée et elle est en bonne voie. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut considérer que dans les prochains jours, on va atteindre la barre des moins de 100 personnes contaminées? Encore une fois, Mme Sélachmi, avec une condition, si ces mesures de distanciation ne sont pas respectées, même dans une wilaya, eh bien une wilaya peut faire augmenter le nombre. Mais si ce respect est général, il n'y a aucune raison pour que dans tous les pays du monde, cette tendance baissière ne continue pas et avec un nombre de moins de 100 et encore moins. Alors, est-ce qu'on peut considérer que si les entreprises commencent à rappeler leurs employés, il va falloir aussi désinfecter automatiquement les lieux de travail, régulièrement et quotidiennement? Automatiquement, j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on arrive, qu'on intègre à vivre avec le virus partout, que ce soit à la maison, dans la rue, au niveau donc, du lieu de travail. Il faut que les employeurs prennent leurs responsabilités en mettant donc, toutes les dispositions pour ces travailleurs, et donc aussi bien en termes de masques, de distance. Ça va peut-être poser des problèmes pour certains employeurs parce qu'il faut s'adapter de nouveau. Ça va poser problème aussi pour les restaurants, pour ces mesures donc, de distanciation. Ils sont dans l'obligation, les employeurs, de mettre à la disposition donc, de leurs employés donc, tous les moyens
pour, parce qu'il ne faudrait pas dire on respecte les mesures sanitaires et on ne met pas à leur disposition ces moyens. Mais pour les personnes âgées, par exemple, quelles sont les mesures à observer automatiquement sur le plan sanitaire? Porter tous les jours la barrette? Écoutez, à la maison, c'est clair qu'ils vont pas la porter, mais en sortant... Mais c'est recommandé de la porter à la maison si on reçoit, par exemple, des personnes étrangères. Attendez, non. J'ai dit, lorsqu'on n'a pas de malade à la maison, donc on ne la porte pas. Bien sûr, lorsqu'on... Mais on est terrorisé, on nettoie tout à la Javel. Il faudrait pas qu'on la passe dans l'excès. Il faudrait qu'on fasse ce qu'on doit faire sans être dans l'excès. Mais les personnes âgées, dans la mesure du possible, qu'elles restent le plus souvent donc, à la maison. Et lorsqu'elles sortent, et bien sûr, il faut qu'elles sortent, donc, pour ce qui est nécessaire, et avec le masque, en respectant le masque. Et lorsqu'on reçoit, bien sûr, des personnes étrangères, tout à fait normal, qu'elles doivent mettre le masque à la maison, avec, bien sûr, le lavage des mains et toutes les autres. Et croyez-moi, en intégrant ça facilement, et là, le problème ne se pose pas, ou le khadjouchallah, de cette épidémie. Inch'Allah. Docteur Mohamed Youssi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.